C'est un peintre flamand, je crois, hollandais, mais je ne suis pas sûre, du Moyen-Âge, qui peint des tableaux qui représentent mes pires cauchemars. Ils font très 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 peur. Il y a des personnages, des enfers dedans, des personnages horribles qui représentent toutes les turpitudes de la Terre. Alors je crois que tous ceux qui sont venus ici ont trouvé extraordinaire. Vous avez à la fois une idée, l'idée, le professionnalisme, c'est visuel. Ben, j'ai trouvé vraiment que tous les gamins faisaient preuve de beaucoup de professionnalisme. Voilà, moi j'ai été très surpris, très agréablement surpris par l'interaction qu'il y avait avec les gens du public. La seule chose que j'ai à dire finalement, c'est que je n'aimerais pas qu'ils soient là l'année prochaine. Moi je veux qu'ils soient là l'année prochaine. Alors j'ai trouvé le projet vraiment très intéressant. C'est vous qui nous avez contactés d'abord, donc on m'a expliqué que ça faisait 6 ans que vous aviez créé cette créature et que vous alliez de médiéval en médiéval. Et je trouvais vraiment le concept intéressant avec les jeunes et franchement j'ai adoré le partage qu'il y a eu, que ce soit avec les organisateurs, avec tous les bénévoles, avec tous les artisans. Il y a eu vraiment une semaine de partage de tout le monde et c'était vraiment franchement. Nous voici devant la maison de Jean Petit. Comme beaucoup de Creusois de la fin du 19e siècle, il part en campagne comme tailleur de pierre au sein des maçons de la Creuse. Il est l'auteur de la chanson qui leur rend hommage. De retour au pays, il est surnommé Jean Daubouet, pseudonyme encore célèbre de nos jours, notoriété aidant Jean Petit fut un acteur important de la commune depuis Malsignat. Quand celle-ci retrouva son autonomie en 1879, il fut l'un des tout premiers adhérents à la Ligue de l'enseignement créée par Jean Massé.